Logique, ça me fait chier. C'est sûr que sur Halo, c'est sûr que la sensibilité du jeu est vraiment chiant ou manque de précision. J'y vais l'apprendre. Comme par exemple Daymare. Ah oui, Daymare, j'ai entendu parler, je sais plus ce que c'est. Daymare, il a pas l'air mal, oui. C'est que très difficile, que la visée est vraiment pas fluide avec la manette. Ah oui, je crois qu'il est pas mal. Ah ouais, moi aussi. Moi j'adore avoir des souvenirs, au moins ça montre aux autres personnes que tu n'es pas une merde, quoi, comparé à certains. C'est pas pour te justifier, c'est pour montrer à quel point tu en savais jouer. Je pense qu'à l'O2 il me faudrait beaucoup de temps maintenant pour redevenir ce que j'étais. Qu'est-ce que je dois faire? Ne me dites pas que je dois... Ah non, c'est ce que je pensais. Là, je sais pas quoi faire. Je vois pas ce que je foutrais sur le toit. Moi, j'ai tous mes souvenirs parce que ça m'a fait du bien. Tu faisais des parties de 250 kills. Que les autres aient le temps d'en faire 25-30. Ah ok, mais bonne nuit. Oh non, moi la bière j'en bois rarement, j'en bois une fois par mois ou deux fois, c'est tout. Je fais attention à ma santé. 52 ans oblige, mais je suis sportif aussi donc. Mais l'extérieur n'est pas comme l'intérieur. L'intérieur est plus fragile que l'extérieur dans un corps humain. Oups, putain que c'est lent. Bon, tant pis, j'ai plus de grenade. Mais qu'est-ce que je ferais sur le toit? Merde, je sais plus d'où j'arrive. Si j'arrive de là. Il n'y a pas un plafond à détruire, il n'y a pas... C'est bizarre, on dirait qu'il y a un escalier au-dessus, non, ça n'en est pas. On va pas aller sur la voie ferrée. Sauter sur le train. Je vois que ça. Je peux pas sauter là-bas. C'est là d'où j'arrive. Merde, mais je sais pas quoi faire. Tue ce mec. Ah, tout à l'heure il m'avait pas touché ce fumier, putain. Une lettre froissée se trouvait sur le... Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment, bien sûr. Bon. Oh putain. Je vais courir mes arguments. Je voulais mettre les choses au point avec Chapoutine. Je ne connais rien aux anges. Je sais que la peur donne des ailes. Mais attends, jusqu'ici ça va où là? Mais c'est après, je comprends pas ce qu'il faut faire.
J'ai horreur d'être bloqué, putain. Ah merde, putain, j'ai pas vu. Mais non, putain. Faut que je suis le mec, mais. Se trouvait sur le bureau de Cogniti. La lettre était adressée à Don Puccinello, mais Vinny n'avait jamais eu le courage de la terminer. Jack est devenu cinglé. L'autre soir, il a descendu Dino, parce qu'il voulait voir à quoi ressemblait la cervelle collée au mur. C'est un tordu. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Putain, c'est bien un truc. J'aime pas c'est de bloquer, moi. Alors ça, par contre... Mais ferme-la, j'entends rien, vous le fusil. Je savais où était son patron et je voulais mettre les choses au point avec Johnny Pay. Bob lui dit oui. Je n'ai rien aux anges. Je sais que la porte est blessée. Oh. Ta porte et après il y a quoi? Ah voilà, c'est ça que je voulais voir. Il saute bien sur le train, c'est bien ce que je pensais. Gogniti avait fait du stop. Je devais le suivre pour le rattraper. Eh ben voilà. On doutait que c'était ça, mais... C'était mon deuxième voyage en train de... Oh, putain. La manière dont il commençait ne présageait rien de bon. Le vent glacial griffait mon visage comme du papier de verre et des lames de rasoir. La glace collait à mes mains et à mes pieds. Au lointain, le hurlement des sirènes. La ville hurlait après moi. Donc je dois jouer en difficile, alors. New York défilait. Les toits sombres, les châteaux d'eau, la forêt immobile d'antennes et de cheminées. Tout était fou. Cogniti décida de bouger lorsque le train ralentit. Par contre, je suis presque mort, mais j'ai plus d'antalgique. Ah ouais, le mec il va là. Faut que je saute aussi. J'espère qu'il le fera tout seul. Déjà, j'aurais pas joué à ce jeu sur PS2, ça c'est sûr. Ouais, il a réussi. Oh putain, la gueule, comme elle a changé. C'est pour viser, c'est ça? Ah putain, j'aime bien la tronche. Spider-Man, ça va faire mal. Sauvegarde automatique, et je suis presque capote. Bah ouais, c'est bien ce que je pensais, bon. Ben voyons. Ah.
Ils n'ont pas envoyé l'armée quand même. On dirait qu'ils ont des tris. Les joueurs ne veulent pas, ils ont des tris. C'est parce que... Bah oui. Moi, je pense pas que ce soit l'armée. Hein. Bon, le bruit de la neige... pas trop super à l'époque, mais bon, ça va. On va s'en accommoder. La PS2, j'avais joué à un jeu qui était très bien. Je sais plus comment il s'appelait. Tu avais quatre bonhommes autour de toi. C'est un jeu de sorte de beat'em all action-aventure. Je sais plus comment il s'appelle, mais je l'avais, mais il est beau. Il est bien aussi. Bon, alors. Même si je tire sur la poignée... moi. Ah, c'est bien. Je vais quand même pas prendre un hélico sur la gueule. On se croirait dans Matrix en fait. Ouais, on va descendre. Ah, les gueules de tueur. L'autre, il a toujours la même chemise. C'est juste que de me faire tuer parce que j'ai presque pas de vie, moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les attend parce qu'à l'heure où ça va... Voilà. Il bougera pas. Ah ouais, c'était couru d'avance. Oh là là là. Putain, non. J'ai eu chaud les cacahuètes, oh. Merci. Auriez-vous, s'il vous plaît, un petit Coca-Cola, un petit sandwich, histoire que je me remette sur pied, parce que... Non, vous n'avez rien. D'accord, ok. Je vous rends ça au cas où. Putain, mais ça serait moi, je te défoncerais la porte. Là, si je me fais tuer, c'est adieu Berthe. Oh, enculé. Pourtant j'avais demandé de se coucher, hein, mais bon. On dirait qu'il y en a un troisième là-bas, à droite. Ah ouais,
Je sais pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il y en avait un autre. Et en qui c'est pas n'importe quoi qu'il a. Merce le pompe. Oh. Est-ce que ça ira assez haut? Est-ce que cela ira assez haut? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, bon, laisse tomber, j'ai fait ça pour rien. Pas comment je fais, mais j'ai le cube varié de nouilles. Hein. Ah, voilà, au bout d'un moment, il se. Pas une gueule de bonheur. On dirait un Brad Pitt, mais en con. Oh merde! Enfoiré! Est-ce qu'il y a des soins dans le véhicule? C'est ça que je cherchais. Même pas. Putain. Beretta, il est bien, mais il gueule est mieux. J'ai même pas de soins. Comment on dit? Tagada soin de soins. On dirait des antalgiques en bas, mais en bas d'aller en bas, faut voir ce qu'il y a en haut. Mais c'est pas vrai, il est où cet enfoiré? Il est en haut, non? C'est que lui, là? Oh, non, ça m'étonnerait, c'est pas lui, il tire pas à travers les murs, lui. Il n'y avait que toi, et comment t'as fait pour me tirer à travers les murs? C'est bien ce que je pensais. Putain, je sais pas d'où vient le tir, mais j'ai l'impression qu'il vient d'en face. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, mais je vais pas le tenter le diable. Le diable. Ah si, j'ai un antalgique, c'est ce que je pensais. Un seul. C'est pas la joie. C'est des mains, ça n'existe pas, non, c'est pas grave. Mais comment je vais en haut? Putain, l'enfoiré. Je peux pas grimper.
quelque chose qui cloche. Bon, il y a un truc qui colle pas. C'est quoi? Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai fait tuer celui-là d'en haut. Mais est-ce que je peux descendre juste là? Non. J'aurais bien voulu descendre juste en dessous. Là. Ingram, ok. Mais de loin, pas terrible. Attrapez-le! Et voilà. Ah putain, dommage! Mais bon, peut-être que ça fait partie du... Voyons. D'accord. Oh le con. Pas compris ce qui s'est passé, donc je pouvais pas sauter sur... pas tout compris. Oh là, le Ingram. Ah, il m'aurait buté. Compris, hein. Pourtant j'ai monté, bien, j'ai cru qu'il allait sauter sur le bureau, mais... Ah, une gramme, j'aime beaucoup. Oh là là, putain. Voilà, même si une gramme, j'en ai là, 138. Bon, ils étaient combien tout à l'heure? Pas mal. Il y en a un qui s'est fait péter avec la grenade, mais bon. Attendez-nous.
Putain. Ah, c'est pas de la tarte à chaque fois. Non. Hey. Non! À chaque fois, je me trompe de bouton, c'est infernal maintenant. Moi, ouais, j'ai pas beaucoup de vie, non? Bonjour Akira, excuse-moi, je t'avais pas vu ton. Mais c'est pas fastoche, hein, c'est pas fastoche. Mais ça rappelle au bon moins la bonne vieille époque. Qu'il faut jamais sous-estimer ces comptes de vieux jeux. Voilà, c'est le mieux. Oh, il y a le casse-couille encore. Mais non, putain. Ah, c'est casse-bure tout ça. Grenade. Ah. Vous pouvez pas tomber mieux. Bon, alors je peux pas sauter. On va être riche, sacrément riche, encore plus riche que ça, sacrément riche. Si j'ai pas le choix, faut que je saute comment? Sur le toit, la fenêtre. D'autre choix que de sauter. Ouais, les doubleurs, franchement. Bon, je dois faire quoi? Eh ben, pourquoi je suis mort tout à l'heure? Oh là, les explications dans les anciens jeux, mais bon, pour que c'était pas facile. À l'époque, ça je m'en rappelle. Par contre, j'ai pas de soins. Elle me dit pas qu'il faut que je fasse le même coup de. Non, ça va. Tu aimes peut-être pas trop le faire. Hein, quoi qu'on va essayer comme ça, puis après, tant pis. Hein? Ah, d'accord, ok, bon. Allez faire quand il y avait les deux autres, mais la seule chose que j'ai pas envie de prendre, c'est une mauvaise surprise. J'ai eu chaud. Je te dis, je suis, j'ai eu chaud. Là, j'ai frôlé la catastrophe, on va dire. Ah, putain. D'accord. Ah oui, ils ont toujours la même chemise, ouais, ouais, c'est ça, comme dans Shenmue. J'adore Shenmue, bien sûr, je critique pas le jeu. Mais... ils ont toujours la même chemise. Et... ok, je commence à m'inquiéter là.
Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais loupé l'explosion. Bon. Je tiens pas à reproduire la même bêtise. Il est bien, hein, Kira, le jeu, mais... Oui, moi aussi. C'est d'époque. Mais c'est vrai que le jeu d'époque, j'étais fort au jeu d'époque. J'étais fort. Putain, merde. C'est pour ça que je m'en remets un peu à la source. Mais attends, ça marche pas, elle commence à me casser. Alors elle me saoule, hein. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie représente la police de New York et Oh, la recherche de encore? Max Payne. La voix, par contre, de Max Payne, Tempête ça va pas. meurtrière. Directeur adjoint. Ah là, c'est bon. Le flic, ouais, j'aime bien la voix encore. Ah bon, tu fais quoi, une omelette? Voilà, la voix de Max Payne, ça va pas du tout. Le destin avait fait de nous des adversaires sur cette affaire. Et quand il était Un seul, homme trop calme, beaucoup trop. Bien loin de sa ligue, j'avais déjà quelques toits d'avance sur les flics, pour l'instant. Il était 9h ce matin. Je ne sais pas pourquoi je me suis levé à 9h. Mais il va bien falloir que je cherche pourquoi on m'a dit de me lever à 9h. À un moment donné, j'ai pris une omelette. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis du poivre dans l'omelette. Va falloir que j'enquête dessus. C'est ça qui est un peu naze en fait. Toutefois, la nana m'attendait à 10h du matin. Ça, c'est de la commode. Enfin, une table de nuit. Il arrive, je l'entends. Vous êtes prêts? Pointez vos armes vers la porte. Ok, on y est. Payne peut surgir à tout moment par cette porte. C'est lui ou nous. Il aura tellement de plomb dans le caisson qu'il faudra un treuil pour descendre son cercueil dans la tombe. Il y a un mec qui se jetait dans le cercueil. Tu vas voir cette petite gueule, moi. Ah ouais? Max Payne, niveau difficulté en comparaison. On m'a dit qu'il était dur, Max Payne, le 3. Donc, mais là, je crois que je joue en difficile, hein, parce que j'ai vu que c'est bizarre. Il y a marqué facile, difficile, après je sais pas quoi. Donc, j'ai pas mis de niveau difficulté sur le stream, c'est pour ça que je sais pas. De quoi? Yuna, s'il te plaît. Yuna, c'est ma chatte. Arrête pas de me vouloir des câlins. Tu attends, je joue. Ah, tu veux prendre la manette peut-être? Oh, oh! Ah, j'ai oublié qu'il court pas. Et pourtant, j'ai, comment dire, j'ai fait ce qu'il fallait. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. Police, Jim Revere. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie. C'est vrai qu'il court pas, il faut sauter. C'est, ouais, c'est juste pour... ouais. Il arrive, je l'entends. Vous êtes prêts? Pointez vos armes vers la porte. Ok, on y est. Vous y allez. Toi, allez plus vite. Ils vont faire le coup de la grenade. Quel crétin ce bonhomme! Quand on a plus de balles, on change de flingue, mais bon. La recherche de Max Payne. J'ai pas de grenade, le pire c'est ça. Ah si, putain, j'en avais. Il arrive, je l'entends. Vous êtes prêts? Pointez vos armes vers la porte. Ok, alors. On y est. Payne peut surgir à tout moment par cette porte. Ouais, je sais. Vous y allez. Concernant ta peur. J'adore. Ouais. Il a pas cherché à comprendre, c'est le meilleur. Grenade. Non? Vous voulez pas la grenade? Ok. Non, il m'avait pas oublié, hein. Ah,
j'en avais qu'une. J'ai pas regardé. Péteux. Voilà. Quoi? Valkyrie? Ah, il y a une Valkyrie ici? Mais j'ai Max Payne 2, Max Payne 3, je te rassure. Ah tiens, je vais regarder juste un truc avant que... Attends. Parce que j'ai envie de rigoler pour ceux qui sont au Game Pass et qui croient que le jeu est à eux alors que c'est un juste box. Voyons maintenant si je peux aller voir le prix de Max Payne, parce que la dernière fois, ça déconnait. Microsoft Store de merde. Cyberpunk, j'aurais aimé jouer à Cyberpunk, mais pas à la première personne, à la troisième personne. Voyons comment vaut Max Payne. Il me semble qu'il vaut 14 euros. Hein. De toute façon, j'ai mis le... Alors, le 2. Le 2 vaut 15 euros en démat, alors que je l'ai acheté 4 euros. Lui, je l'ai acheté 2 euros, mais... ah si, on peut le voir... comment on peut le voir déjà, le jeu? Voilà. Ou à 15 euros. Et moi, j'ai acheté à 2 euros. C'est ça qui est con pour eux. Pour ceux qui s'accrochent encore dur comme fer au démat, alors que c'est le nom de la drogue. Ah ouais, mais c'est aussi le nom des protecteurs d'Asgard. Merde. Je vais te montrer combien je l'ai acheté. Je sais pas pourquoi il faut toujours passer par là. Ah, je suis obligé de passer par là. J'ai rien à comprendre. C'est pas grave. Hop, il est où? Le jeu. Là, regarde. Je l'ai acheté quoi, il y a 3 semaines. Voilà, à 2 euros. Max Payne 1 sur Xbox. Voilà. Donc c'est pas Bergerac, hein. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il a été, je sais pas où, acheté à une époque. Mais moi, je l'ai acheté à 2 euros. Il n'y a pas la date, mais aujourd'hui, là, c'est la date. Ouais, mais je veux pas qu'on voie certaines choses. Voilà. Le 1. Alors que tu vois que le 1, il vaut 15 euros, quoi. Putain. Et le 3, j'ai acheté, 5 euros. Ben, quand tu penses que tu as des imbéciles, malheureusement, je les traite pas d'imbéciles dans le mauvais sens, mais dans le bon sens, qui achètent des jeux des matouches là. Et moi, le Game Pass, je m'abonnerai jamais à ça. Ah oui, d'ailleurs, ça s'appelle comment en fait le Xbox Score maintenant? Je sais pas, on pourrait tirer dessus. Mais non! Ouais, bon, je cherche pas à comprendre. J'ai presque plus de munitions, moi. Ah oh là là, la vitesse où il anticipe pas. Oh, c'est pas vrai! Il anticipe rien, putain. On peut pas anticiper ça, puisque... Directeur adjoint, police. C'est horrible à anticiper. Il arrive, je l'entends. Vous êtes prêts? Pointez vos armes vers la porte. Ok, on y est. Je sais qu'il y en a un autre. J'ai entendu la grenade. Tu fais une seule erreur. Pourquoi je suis mort déjà? Je me rappelle plus. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Ah, qu'est-ce que ça barbe, la connerie. Il arrive, je l'entends. Vous êtes prêts? Pointez vos armes vers la porte. Tuez-le!
Elle m'a fait mal. On va attendre que sa vie descende un peu plus. Ah oui, voilà, je me suis pris une grenade, c'est ça. Et il va essayer de me la renvoyer, cet enculé. Non, ça va pas. Bah, le fusil à pompe serait bien, mais... Putain de... Mais c'est incroyable! Bon, mais je vais garder la grenade pour cet enfoiré. J'ai pas trop le choix. Ah ouais. T'as vu les esquives? Ah bon? Ah mais même avec la santé qui me reste, tu sais, j'avais aucune chance. Il arrive, je l'entends. Vous êtes prêts? Le directeur est toujours à kiff. Ok, on y est. Pen peut surgir à tout moment par cette porte. C'est lui ou nous. Fumez-le. Non mais j'avais stoppé. Bon, c'est pas grave. Ah, par contre, je sais pas ce que je vais faire. Ah, par contre, quand il saute en avant, c'est horrible, je te le dis pas. Mais putain, pourquoi tu tirais pas? Donc ils sont à la bonne portée, là. Tous morts, j'avais pas cette impression moi. J'ai la grenade encore. Oh non, mais le duo, oh là là. Oh là là, j'ai presque pu faire rien en munitions, c'est horrible. C'est bien celui-là qui est mort, non? Oh, mais putain, mais merde! Putain de dieu de merde! Il arrive, je l'entends. Vous êtes prêts? Pointez vos armes vers la porte. Il peut pas changer un peu de disque, le mec, toujours mettre la grenade. Okay, on y est. Pen peut surgir à tout moment par cette porte. C'est lui ou nous. Défendez-le. Ah, ça va pas du tout à chaque fois le ralentissement des fois il me bloque. Hein. La police de New York à la recherche de Max Payne. Il arrive, je l'entends. Vous êtes prêts? Pointez vos armes vers la porte. Ok, on fumez-le. Ah mais putain, c'est parce que je suis un seminaire, c'est pour ça. Putain, il m'a baisé la gueule deux fois avec le... Bon, le mieux, je crois que ce sera de... Je l'entends. Vous êtes prêts? Pointez vos armes vers la porte. Fumez-le. Voilà, le ralentissement, des fois, c'est bien et pas bien. Même une grenade en général c'est fait pour te péter en un coup. Police
Putain, je l'avais eu cet enculé. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie représente la police de New York à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. Police Jim Rover. Prendre les mesures nécessaires. Ah, il y en a un là. Il est blessé, je suis d'accord, mais. On va essayer ça, vite fait. Putain, bon alors voyons. Et voilà. Ah ouais, il est carrément au fond le salopard. Il faut être à fond dans la vie. Il arrive, je l'entends. Vous êtes prêts? Allez. Pointez vos armes vers la porte. Ok, on y est. Fumez-le. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. Police Jim Brevoer. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie reprise. Il faut en rater aucun en fait. À la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie reprise. Là, cette fois, j'en ai pas raté une seule. Comme de grenades, j'en ai qu'une. Et lui, normalement, pour pas le rater, il faudrait le tuer d'entrée, si je comprends bien. C'est le mec de là-bas que je peux pas arriver à. Putain, je t'ai eu. Là, oui. Voilà. Non, 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 lâche. Ah, putain. Ah, il y en a deux. Putain de merde. Ah, je suis pas trop pompe, moi. Courte portée, oh, enculé. Et les gueules. Au nom de Dieu. Là, j'ai eu chaud.
Ah, c'est lui. On le tue pas comme ça, lui. Merde! Ouh! J'y croyais pas. Dovnicki allait rendre son dernier soupir dans une allée où les bouches d'égout crachaient de la fumée, comme si tous les feux de l'enfer brûlaient sous nos pieds. C'était le moment des soubresauts. Ouais, je suis bien parti, là, ouais. Brutalité policière, ah, j'adore. Je veux juste savoir où se plante ton patron. Je ne trouvais aucune gloire à ça. Eh, merci. Les ennuis s'étaient abattus sur moi comme un nuage de sauterelles. Le bon et le juste étaient de la poussière d'or dans cette ville. Je savais que je n'étais ni l'un ni l'autre. Je n'étais pas un héros, juste moi, mon flingue et le truand. Mes options étaient plutôt limitées. Je vais parler. Je vais te dire où il est. Mais ne fais plus mal. Lupino est au Ragnarok, la boîte de nuit. Arrête-moi. Lis-moi mes droits. Fous-moi en tôle. Mais ne me fais pas de mal. On te lira tes droits à ton enterrement. Ah, ça c'est bon ça. Du Carrefour bio soja à la vanille. Un entrepôt de drogue installé dans un ancien théâtre. Je savais ce qui m'attendait à l'intérieur. Des camions élevés prêts à faire preuve d'une violence insensée. Et l'équipe de gorilles de Lupin, les pires tueurs de ce côté de l'enfer. Le Ragnarok. Le Ragnarok était aussi attirant qu'un match de tête, clignotant et vacillant au rythme d'une mitraillette. Le centre de la boîte était un parc d'attractions gothiques, avec des jeux d'engage qui menaient jusqu'à l'enfer. Le Ragnarok. Ce message était aussi subtil qu'une balle tueuse de flic. Tel père, tel fils, Jacques Lupino. Option audio, pas de musique. Ah, d'accord, donc c'est la discothèque, ok. Ah. Il n'y a pas 36 solutions là. Non. Sécurité. Je comprends pas là. Ah, il était là. Qu'est-ce que j'ai ouvert ? Ah, ok, d'accord. J'avais pas vu. Non, sans deck. Thank you.
jamais été un best-seller. Ah bon ? J'étais surpris de voir que quelqu'un avait lu pour se passer le temps. Le livre s'intitulait « L'âge du meurtre et de la tourmente ». Oui, c'est vrai, ouais. Le livre parlait de mythologie scandinave et de crépuscule des dieux, de la fin du monde viking par un terrible hiver, la terre couverte de glace. Un livre de musique qui a participé. L'attente. Il n'était pas difficile d'imaginer comment quelqu'un d'impressionnable... Oui, quand tu sais qu'à Remedy, il y a un studio finlandais qui comprend bien les influences scandinaves. Cette boîte. Il est là. Oh. Ah ouais, d'accord, pas chier celui-là. Il est pas facile le jeu, hein. Je te le dis de suite, il est pas facile. Ah, je vois. Ok. Et Claude est cinglé ou quoi? Ok, bon, j'aille là. Pierre. Yeah. Incroyable. Et voilà, on se redoutait, je me suis mal pris. Putain, alors quand il n'y arrive pas la première fois... Une baltueuse de flic en plein cœur. Elle perd tel fils. Jacques Pine. Ça devient dur, hein. Ce bouquin n'a jamais été un best-seller. Des antalgiques... Il est là. Merde. Putain, je me prends mal. Oh là là, mais c'est pas vrai. Alors la première fois j'y arrive toujours, et après c'est la deuxième fois que j'y arrive pas. J'arriverai jamais à comprendre. Moi. Hmm.
au moins 50 algiques, 10 quoi. Ah ouais. Il est là. Mais putain, je le sais qu'il y a la grenade, j'ai percuté, donc au dernier moment, encore une fois. Tire pas la grenade, je dois rêver. Non. Mais c'est incroyable de balles que j'ai. L'autre il est couvert. L'autre il servait de. Il y en a un. Ça a pas l'air d'être n'importe qui celui-là là-bas donc. Oh là là. Pompe c'est bien mais... Espèce d'enculé là. Putain. Oui, je comprends. Moi, je suis pas brutalité policière, moi. Ok, je te dis à bientôt, Akira. N'hésite pas à repasser, mais plutôt. C'est dégueulasse. Le message était aussi subtil qu'une balle tueuse. C'est dégueulasse. Tel père, tel fils, Jacques Lupin. Attends.
Non, le mieux c'était d'attendre, ouais. Ce bouquin n'a jamais été un best-seller. Il est là. Et voilà. Là, la grenade, elle m'a pété la gueule. Je me soigne pas, pourquoi? Parce que je veux garder mes soins pour plus tard. C'est fait. J'ai bien fait. Sorti d'auberge. Hein. Putain, j'ai eu du bol. Des livres sur les sciences occultes s'empilaient sur la table. Mais oui, c'est ce que j'ai vu. La pièce était recouverte de néons indiquant nécromancie, chasse aux sorcières et paradis perdu. Sans oublier les bons vieux Malleus Maleficarum et De Umbrarum Regni Novem Portis. Des livres ornés de pantogrammes et parlant de sciences occultes et d'enfer, voisinés avec des films d'horreur et des Ouija. La seule chose que je pouvais prendre au sérieux, c'était que tout cela l'était pour Lupino. Il a passé énormément de temps à devenir un ami du type normal. Bon, moi je vais arrêter là et après je reprendrai plus tard. Voilà. Je vais arrêter là pour l'instant parce que j'ai des trucs à faire, un peu de sport. Allez, à bientôt.